Je souhaite, comme vous, les qualifications de l'équipe nationale, les premières fois dans l'histoire de la Coupe du Monde 2026, Amérique, Canada, Mexique, Inch'Allah. Depuis les premières qualifications de Marathon de Coupe d'Afrique, c'est la troisième fois qualifié pour les CAN, CAN Côte d'Ivoire, Inch'Allah, 2023. Il a un groupe avec entraîneur, et il a de l'expérience. Inch'Allah, avec le soutien de l'État, le soutien des supporters marathoniens. Je souhaite, Inch'Allah, qualification historique, la première fois dans la Coupe du Monde. Inch'Allah, Inch'Allah. Mes impressions pour la Coupe du Monde. Bon, c'est juste, je rêve de cela et on a le droit. Et on a la compétence. Comme nous sommes arrivés trois fois à la Coupe d'Afrique, je sais qu'avec le président qu'on a, avec le staff qu'on a, avec nos joueurs, nous pensons vraiment aller au-delà même de la Coupe d'Afrique, que ce soit à la Coupe du Monde, bien sûr. Donc ce sont mes impressions. Et vraiment, je prie Dieu, le Tout-Puissant, de donner l'aide. On a une très grande équipe qui est compétente et un bon entraîneur. On est bien motivé. Inch'Allah, on va sortir pour la qualification de Coupe du Monde. On a toutes les compétences aussi. Donc, on peut se qualifier. Quand il y a un tirage, les équipes, tous sont au même pied d'égalité. C'est la ligne de départ, comme on dit, la ligne de départ. Bon, là, tout le monde a ses chances. Hein. Et bon, vous avez vu la Mauritanie ces derniers temps. On a fait un bon au niveau du classement FIFA et même au niveau de la CAF. Et il y a des résultats. Et vous avez remarqué ces derniers temps, la Mauritanie perd plus sur son terrain. Donc ça aussi, c'est un atout qui n'est pas négligeable. Là, vraiment, moi, en tout cas, j'espère. Je suis optimiste. Parce que vu le groupe aussi, bon, déjà, on a deux matchs déjà à l'extérieur. Bon, on a des matchs retour ici. Maintenant, il faut bien gérer ces matchs, marquer le maximum de points. Et là, au retour, on met le travail comme ça.